le 11 juin 1144. C'est le jour de la consécration du chœur de la basilique de Saint-Denis. Pour l'occasion, le père abbé suggère invite le roi Louis VII et son épouse, la reine Aliénor d'Aquitaine, ainsi que tous les grands du royaume, y compris archevêques et évêques. Et pour tous, c'est l'émerveillement devant la lumière des vitraux et l'élancement de la structure. Les prélats repartent avec pour seul désir construire cette extraordinaire réalisation spirituelle dans leur diocèse respectif. C'est le début de l'art gothique. Baptisé d'abord art ogival, en référence à l'ogive ou à l'arc brisé. Parlons plutôt d'art français, car il est né au XIIe siècle en Île-de-France, à Saint-Denis, pour s'étendre à Sens, Lens, Noyon, Paris, jusqu'à Strasbourg. Pour Suger, la lumière est indispensable pour glorifier dignement Dieu. Lumière qui éclaire les esprits et les cœurs. Lumière, première créature issue de la parole de Dieu, qui se distingue des ténèbres. Avec l'aide des vitraux, mettons en lumière la foi et le travail des hommes. La foi médiévale est le véritable point de départ de la construction des cathédrales. C'est aussi à cette époque, sous l'impulsion de Saint Bernard, que se développe la dévotion mariale. Mais revenons à Suger. C'est de son abbaye, située à la campagne, qu'il donna l'élan créateur d'une architecture audacieuse qui exprime un élan vers le haut, un élan vers Dieu. Il entreprit de restaurer l'église abbatiale de Saint-Denis avec des architectes qui ont dû se surpasser pour pratiquer des ouvertures dans les murs sans compromettre la solidité de l'édifice. Autre motivation pour Suger, pouvoir accueillir le plus grand nombre possible de pèlerins, leur permettre d'approcher les reliques de Saint-Denis et de ses compagnons dans le recueillement, sans bousculade, dans un cœur devenu spacieux. Son amour-propre et son désir de passer à la postérité ont joué un rôle non négligeable, puisqu'au XXIe siècle, on parle encore de lui. Il s'est fait représenter 4 fois dans l'abbaye et a rédigé 13 inscriptions en son honneur. Suger et les hommes de son temps confirment que le christianisme, c'est la foi, mais aussi le progrès. Sans cette foi et le culte rendu à la Vierge Marie, le génie des bâtisseurs et l'argent des marchands auraient été employés autrement et nous n'aurions ni Paris, ni Chartres, ni Reims, ni toutes ces grandes églises placées sous le vocable de Notre-Dame. Ces monuments de lumière, symboles de la lumière que le Christ a apporté aux hommes. Thank you.
Avez-vous remarqué que les grands édifices religieux se situent dans des villes, sur des routes commerciales importantes? Peu de communes, peu de cathédrales, comme l'attestent des régions comme le Massif central, placées hors des voies de passage. Mais au XIe et XIIe siècle, grâce à un boom démographique, les villes se sont repeuplées. Conséquence de ce boom, on construit. Églises, châteaux, routes, ponts, on aménage les fleuves, on développe l'agriculture. Le tout accompagné par un christianisme en plein épanouissement, une religion positive et active. Profitant de querelles entre seigneurs locaux, les bourgeois de certaines villes avaient obtenu des libertés et témoignaient de leur enthousiasme à travers la magnificence de leurs églises. Ils ne reculèrent devant aucun effort pour offrir à la prière des fidèles les monuments les plus beaux possibles. Ces maisons de Dieu étaient construites à l'image de la Jérusalem céleste. Elles étaient lieu du culte et maison du peuple. Dans les religions antiques, le peuple n'avait pas accès au sanctuaire. L'Église, au contraire, a demandé aux fidèles de participer aux frais pour la construction d'édifices assez vastes pour que la foule, accourue de tous les coins de la ville et des campagnes environnantes, puisse accéder au sanctuaire. Certes, il existait une petite différence, le chœur au clerc, évêque, chanoine, et le reste de la cathédrale, la nef et les bas-côtés, aux adorateurs et au peuple. Nous avons du mal à imaginer l'animation et les activités qui pouvaient se dérouler à l'intérieur d'une cathédrale où l'on pouvait circuler librement puisqu'il n'y avait pas de chaises. C'est aussi là que les représentants de la commune se retrouvaient pour parler des affaires de la ville. Ce n'était pas un droit, mais une tolérance admise par l'Église. On peut même supposer qu'ils ont aidé au financement de la cathédrale avec l'arrière-pensée d'y tenir leurs réunions. Rien de choquant à cela, ces hommes vivaient au contact quotidien avec le divin et étaient moins intimidés devant le Seigneur que le chrétien d'aujourd'hui.
symbole de la lumière sacrée, de la transcendance du divin, le vitrail est sans conteste un art monumental et joue un rôle privilégié par rapport à l'architecture du bâtiment. Il sert de cloison qui protège des intempéries et assure l'éclairage de l'édifice. Mais la relation qui existe entre le verre et la lumière confère au vitrail une place unique parmi les arts. Car Dieu est lumière, et la cathédrale le proclame de toutes ses verrières. Jusqu'au XIIe siècle, la construction des églises impose de petites ouvertures. La lumière est contrôlée par des plaques translucides. Ce n'est plus l'obscurité des temples païens. Dans les édifices romans, les murs servent à porter la voûte et empêchent le percement de grandes baies. La lumière doit conserver toute son intensité, d'où la coloration claire et l'emploi de verre blanc, afin d'assurer un maximum de clarté au bâtiment. Puis, l'utilisation de fines baguettes de plomb comme procédé d'assemblage permet d'augmenter la surface réservée au verre et accélère le développement du vitrail. Avec l'architecture ogivale, les fenêtres s'agrandissent et se multiplient. Ainsi, le vitrail ne peut garder une coloration aussi vive. Cette transformation